Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Harold Paris, je suis entrepreneur et je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Après un peu moins d'une dizaine d'années à bosser en tant que salarié dans le monde merveilleux de la grande distribution, c'était dans le bricolage. Je sais que ça va en faire rire certains qui connaissent ma passion pour le sujet. Je me suis lancé à mon compte en créant une agence web en septembre 2012. J'accompagnais différents clients à imaginer, créer, développer leur présence en ligne, création de sites internet, animation des réseaux sociaux, stratégie de médias de marque, blogging, j'en passe et des meilleurs. J'ai connu des hauts, des bas, mais ces premières années d'entrepreneuriat m'ont permis d'apprendre énormément et surtout, elles m'ont donné envie de développer un projet plus personnel. En mars 2014, j'ai lancé un petit site que vous connaissez peut-être pour pouvoir enfin exprimer ma créativité sur des sujets qui me tenaient et me tiennent toujours à cœur. Générique. Le succès a été rapide, intense, brutal même. Et j'ai été le premier surpris de voir que ce blog que j'avais lancé au début avant tout pour moi avait su trouver son audience et me permettait d'envisager une toute autre direction pour mon entreprise. À partir de 2015, le temps que je me remette de mes émotions, je me suis mis en tête de pouvoir transformer Positiver, oui, c'est bien comme ça qu'on le prononce, hein, en un véritable média à part entière avec une vraie rédaction. J'ai commencé à recruter une équipe, notamment de journalistes, pour prendre la main sur la partie éditoriale et apporter une expertise concrète au projet. Ce qui, moi, me manquait avec un parcours beaucoup plus marketeux. J'ai arrêté d'écrire et je me suis principalement concentré sur les parties techno, trafic et modèle économique du média. Aujourd'hui, Positiver, c'est une équipe de 5 salariés, dont 4 sur la rédaction, qui partagent au quotidien des initiatives positives, des causes inspirantes, des innovations prometteuses, des artistes talentueux, des actualités dans l'air du temps, notamment sur les thématiques de la transition environnementale et sociale. J'aimerais pouvoir vous dire que tout s'est passé à 100% comme je l'imaginais et que cette aventure a été une agréable et bucolique promenade de santé. Mais je vous mentirais. Le chemin a été dur, tortueux, semé d'embûches, parfois impraticable. On a manqué de se crasher plusieurs fois et la crise sanitaire que nous traversons tous depuis maintenant plus d'un an n'a clairement pas aidé. Ces derniers mois m'ont fait ouvrir les yeux sur le fait que ma vie professionnelle et par conséquent ma vie personnelle, la frontière est parfois bien floue quand on entreprend, avait fini par prendre un chemin qui ne correspondait pas, ou plutôt plus, à mes aspirations. Il y a un peu plus d'une semaine, je me suis posé devant mon écran et j'ai pris le temps d'écrire, noir sur blanc, mes objectifs. Une sorte de bucket list côté pro et côté perso. On peut y retrouver pêle-mêle mon désir de pouvoir à nouveau exprimer ma créativité, en faisant de la vidéo par exemple, ma volonté d'une vie plus saine, moins encombrée, plus épanouie, mon souhait de pouvoir passer plus de temps, de qualité avec les miens, et bien d'autres choses. L'exercice a été libérateur. Il n'est pas fini, ne le sera peut-être jamais. J'ai décidé d'y revenir autant de fois que nécessaire. Mais il m'a permis de voir avec plus de lucidité ce que je veux et ne veux plus dans ma vie d'aujourd'hui. Et surtout dans ma vie de demain. Si je vous parle de tout ça, c'est que j'ai quelque chose à vous proposer. J'aimerais partager avec vous cette nouvelle étape de mon parcours. J'aimerais vous proposer de m'accompagner, de me suivre et de faire avec moi ce petit ou grand bout de chemin. Je vais pas vous mentir, tout n'est pas encore complètement clair dans ma tête à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et je ne sais pas encore quelle forme tout cela va prendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à travers cette chaîne YouTube, à travers mon blog personnel, ma présence sur les réseaux sociaux et surtout à travers ma newsletter, j'aimerais partager avec vous ces nouveaux objectifs, ce que j'entreprends pour les atteindre, mes réussites et mes échecs, ce que j'ai appris du chemin déjà parcouru, ce que j'apprendrai de ces nouvelles expériences et bien d'autres choses auxquelles je ne pense peut-être pas encore aujourd'hui mais qui pourront, si ça vous intéresse, s'ajouter au fur et à mesure. On y parlera créativité, impact, minimalisme, entrepreneuriat, productivité, web et bien d'autres sujets qui me passionnent au quotidien. Team Slasher. Bref, si vous êtes encore là à m'écouter, déjà, merci. J'apprécie vraiment que vous soyez resté jusqu'au bout. Si ce projet vous tente, que ça vous intéresse, que vous avez envie de me suivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça représente beaucoup pour moi et c'est ici que vous pourrez retrouver les futures vidéos que je publierai. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter qui vous permettra d'avoir une vision un peu plus globale de tout ce que je prépare. Le lien et dans la description. Ouais. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis à très vite. Tout le meilleur.